What storm? You love your country. I love it, but I'm not in love with it. It's just putting in some toast. Started out as hot fusion. 8 months ago, we ignited the hot fusion accelerator. It worked with one anomaly. It unleashed a time storm. If you're going to laugh, do it now. Should I laugh? I did. The storm was unexpected. It's a tear in time, see? When we turned the engine on when the storm erupted, it took us 4 hours to lock down one end. In those 4 hours, there were changes in the world above. Tony Newman, you know, this is JD. Listen, Doug, when we jump back, we do our job, nothing else. First commandment, we don't take anything or do anything for personal reasons. If you do, it's considered treason. One misstep back there, and our present changes forever. You got that? See? Okay, let's go for a walk. Man to man, you know, there's something a little different about you, soldier. Don't ask, don't tell. Now, I hope y'all pee, because we're not stopping every 10 minutes. Mr. Salazar, take us to launch mode. I need go, no goes. We are go for medical. We are go for psychological. We are go for control. We are go for strategic. We are go for operations. We are go for tactical. We are go for comlink. Time storm approaching. Away.
Et là, on passe. La vérité n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui en sont convaincues. Si vous avez plus de 40 ans, vous vous souvenez probablement du 28 janvier 1986. C'était le jour d'une grande catastrophe de la NASA, devant la côte de Cap Canaveral en Floride. À 11h38 et 73 secondes après son lancement, la navette spatiale Challenger 23 a été pulvérisée par une énorme explosion au-dessus de l'Atlantique. Tous les 7 membres de l'équipage ont trouvé la mort, c'est-à-dire les 5 astronautes de la NASA et 2 spécialistes de charge utile. Des millions d'Américains, 17% de la population totale, ont regardé le lancement en direct à la télévision à cause de la spécialiste de charge utile, Chris McAuliffe, la première institutrice dans l'espace. Le reportage médiatique sur l'explosion était riche et varié. Une étude montre que 85% des Américains interrogés en avaient entendu parler dans l'heure qui a suivi l'accident. Le monde entier était en état de choc. Le monde entier a pris part à la tristesse et au deuil pour les victimes de la navette spatiale. La raison de l'explosion, un mauvais fonctionnement d'un joint torique dans le booster à matière solide droit de la fusée. La navette n'avait pas de système de siège éjectable et l'impact de la cabine sur la mer a été trop violent pour que les astronautes puissent survivre. La catastrophe a été suivie d'une pause de 32 mois dans le programme des navettes spatiales de la NASA. Et cela a conduit à la création de la commission Rogers, qui est une équipe nommée par le président Ronald Reagan pour analyser l'accident. Voici les noms des 7 membres de l'équipage de Challenger. Premier, Francis Richard Scobie, commandant. Deuxième, Michael John Smith, pilote. Troisième, Ronald McNair, spécialiste de la mission. Quatrième, Allison Onozuka, spécialiste de la mission. Cinquième, Chuty Fresnik, spécialiste de la mission. Sixième, Gregory Jarvis, spécialiste de charge utile. Septième, Chris McAuliffe, spécialiste de charge utile. Mais voyons la chose incroyable. Un proverbe connu dit « Ce qui ressemble à un canard, fait le bruit d'un canard et se comporte comme un canard, doit probablement être un canard. » Le souffle du monde s'arrête en cette affaire pour la deuxième fois. À la différence que ce dernier choc dépasse celui qu'on a eu il y a 30 ans. On dit qu'au moins 6 des 7 membres de l'équipage de Challenger seraient encore en vie. 4 d'entre eux vivent même sous le même nom. Et voici les arguments à vérifier. Francis Richard Scobie, commandant de la navette spatiale. Francis Richard Scobie est né le 19 mai 1939 et était le commandant de la navette spatiale Challenger à l'époque. Exactement 30 ans après la chute de Challenger, on l'a découvert comme PDG de Chaos Industries. Chaos Industries était et est encore de nos jours une entreprise de publicité à Chicago. Si vous regardez ici ces deux images, vous remarquez certainement au moins 3 choses qui se ressemblent beaucoup. Premièrement, ce front également haut et les mêmes sourcils. Et aussi les yeux, qui tirent un peu vers le bas à leur extrémité. Et toutes ces choses sous son deuxième prénom Richard et le même âge. La photo de droite du PDG Richard Scobie se trouve aussi sur la page LinkedIn. Quand on visite le site web de Chaos Industries, et je l'ai fait ici, on tombe sur une animation avec une vache propulsée par fusée. Et le tourbillon de poussière forme le nombre 6. Le tout nous rappelle très fortement la navette spatiale Challenger à la télévision, quand elle a explosé en plein vol. Peut-on imaginer humour plus noir ?
Michael J. Smith, pilote de Challenger. Le pilote de Challenger, Michael John Smith, est né le 30 avril 1945. Il avait 41 ans lorsqu'il a trouvé la mort dans l'explosion il y a 30 ans. L'homme sur la photo de droite s'appelle également Michael John Smith et il a exactement 30 ans de plus. Sa ressemblance avec l'astronaute Michael John Smith est absolue. Les mêmes sourcils horizontaux, les mêmes yeux bleu-gris, le même creux vertical sur le bout du nez. Nous parlons là d'un professeur émérite d'ingénierie industrielle à l'Université de Wisconsin-Madison. L'adresse e-mail de Michael John Smith est mgsmith@k.wisc.edu. Ronald Mochner, spécialiste de la mission de Challenger. Ronald Mochner, docteur en physique, né le 21 octobre 1950, était le deuxième astronaute afro-américain. Carl Mochner, âgé de 66 ans, sur l'image à droite, ressemble exactement à ce que Ronald pourrait être à présent. Ce fait a sauté un jour aux yeux de certains citoyens américains. Lorsqu'on lui a parlé de sa ressemblance impressionnante avec Ronald Mochner, on dit qu'il a répondu spontanément qu'il serait le frère jumeau de l'astronaute disparu. Mais parce que la ressemblance était flagrante à tous égards, certains Américains ont commencé à douter de cette affirmation. Mais pour ne pas publier des affirmations en l'air, ils ont commencé à faire des recherches. Jusqu'à présent, il n'était pas connu que Sir Ronald Mochner décédé avait un frère jumeau. Sur Carl Mochner, on a pu découvrir tout ce que l'on peut imaginer. Ainsi, par exemple, qu'il est écrivain, conseiller de formation et orateur passionnant, qu'il est le fondateur et le président émérite de la fondation Ronald Mochner, qu'il a créée en l'honneur de son frère disparu. Il n'y a qu'une chose que l'on n'a pas pu déceler au moment de la recherche à l'époque, ce sont des indications avant 1986 sur un frère jumeau de Ronald Mochner nommé Carl. J'ai recherché sur Ancestry.com un dénommé Carl Mochner qui prétend être le frère de l'astronaute Mochner. Le site de Carl S. Mochner, Linkerhe Seite, dit que son anniversaire serait le 16 décembre. Le site Wikipédia pour Ronald Mochner dit que ses parents sont Carl C. et Pearl M. Mochner. Alors j'ai cherché dans Ancestry.com tous les enregistrements de naissance et de baptême d'un dénommé Carl Mochner qui serait né le 16 décembre et dont le père s'appellerait Carl Mochner et la mère Pearl Mochner. Le résultat de la recherche, il y a seulement un enregistrement dans les actes de naissance du Texas entre 1903 et 1932. C'est celui de Herschel John Mochner, né le 12 octobre 1912 à Rosewood, Upshire, dont le père s'appelle William Mochner et la mère Pearl Mochner. Cela revient à dire qu'il n'existe aucun Carl Mochner, frère de Ronald Mochner selon Ancestry.com. Voici la capture d'écran que j'ai faite d'Ancestry.com avec l'heure et la date dans le coin en bas à droite. Pour être bien sûr, j'ai répété ma recherche sur Carl Mochner. Cette fois-ci, j'ai réduit la recherche à Carl Mochner, dont le nom du père était Mochner et le prénom de la mère Pearl. Je n'ai trouvé aucun Carl Mochner, dont le nom du père était Mochner et le prénom de la mère Pearl. Ellison Onizuka, spécialiste de la mission de Challenger. Un autre spécialiste de la mission de Challenger, Allison Onizuka, le premier astronaute américano-japonais. Lui aussi, on pensait l'avoir revu en public vivant après la catastrophe de Challenger. Quand on lui a demandé comment il pouvait être vivant, on dit qu'il se serait défendu en répondant être Claude, le frère jumeau de l'astronaute Allison Onizuka, mort dans l'accident. Son affirmation n'était pas crédible non plus. De sorte que des citoyens ont commencé une recherche sur un frère jumeau de l'astronaute. L'astronaute Allison Onizuka était né le 24 juin 1946 à Hawaï.
Aucun registre de naissance ne parlait d'un frère jumeau Claude au moment de cette recherche-là. Alors, on dit qu'il a prétendu être le frère cadet d'Alison Unazuka. Si Alison était encore vivant, il ressemblerait exactement à son frère cadet sur cette photo. Les mêmes sourcils, les mêmes yeux, les mêmes pas de doigts, le même nez, voire même la même raie dans ses cheveux. Claude Onozuka est un membre du directoire du département pour le contrôle de l'alcoolémie dans le county of Hawaii-Ailo, Hawaï. J'ai aussi recherché sur Ancestry.com des actes de naissance d'un Claude Onizuka, le frère prétendu de l'astronaute Ellison Onizuka. Selon l'article de Wikipédia sur Ellison Onizuka, son père était Masamitsu Onizuka, récemment décédé. Sa mère est Mitsu Onizuka. Résultat de la recherche. Il n'y a pas de résultat pour votre recherche. Voici la photocopie du registre de naissance. Par acquis de conscience, j'ai répété ma recherche sur Claude Onizuka, cette fois-ci sans indiquer les noms des parents. Il y avait 36 résultats, aucun d'entre eux n'était notre Claude Onizuka. Cela revient à dire que selon Ancestry.com, personne dont le nom serait Claude Onizuka n'est jamais né aux États-Unis. Judith Resnick, spécialiste de la mission Challenger. Judith Arlen Resnick, née le 5 avril 1949. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'important sur elle? Elle, qui avait un titre de docteur en électronique, était la spécialiste de la mission Challenger. Elle était la seconde astronaute américaine féminine et la toute première astronaute judéo-américaine qui ait volé dans l'espace. Et à partir de maintenant, ça commence à devenir intéressant. En effet, au collège Yale Law School, il y a la chaire d'un professeur qui s'appelle pareillement Judith Resnick. Cela peut arriver, le même nom. Mais ce qui est étonnant, c'est que non seulement elle a exactement 30 ans de plus que l'astronaute Judith Resnick, décédée il y a 30 ans, mais qu'elle s'appelle exactement pareil, qu'elle a la même allure et la même voix que l'astronaute de la navette spatiale décédée. Et qu'est-ce qu'elle fait à présent au collège Yale Law School? Elle y a le titre de professeur de droit à Arthur Lehman. Il y a une chose que nous devons garder à l'esprit pendant toutes ces recherches. Ce serait une chose si un membre de l'équipage de Challenger ressemblait à une personne qui est en vie à présent. Cela pourrait être pris pour une coïncidence. Mais c'est une toute autre chose si 6 membres de la même navette spatiale possèdent un double qui vit dans le même pays et que 4 de ces 6 portent aussi le même nom que les personnes décédées. L'estimation d'un professeur de physique résume la probabilité de la manière suivante. Avec une distribution binominale, on peut évaluer la probabilité qu'un tel événement ait lieu 4 fois en 10 ans. D'après une estimation, cela a une probabilité de 10 exposants moins 160. Pour comparer... Bonjour à tous. Bon, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler de ce petit extrait que j'ai mis tout au début, The Time Tunnel. Bon, comme j'ai fait plusieurs vidéos où j'avais mis cet extrait, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous regardez le passage où le groupe s'engage dans le tunnel et commence son voyage. Vous avez une musique qui suit, qui accompagne le procédé de voyage dans le temps. Bah, vous remarquerez que cette musique a changé. Bah oui, c'est pas cette musique. En réalité, cette musique a changé. Si vous allez retrouver d'autres vidéos que j'ai faites en reprenant cet extrait, ou vous allez retrouver cette musique, ou vous allez retrouver l'ancienne musique qui était insérée dans le film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement il y a eu une modification quelque part, hein, qui explique pourquoi cette musique a changé. Parce que la musique originale de
qui accompagne l'extrait où il voyage, il traverse le tunnel, c'était celle de la série New York 911. Mais là, si vous remarquez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a eu une altération de la réalité aussi. Bon, lorsque nous évoquons l'existence des mondes parallèles, on se doit de parler de l'effet Mandela qui, depuis quelques années, crée le buzz sur la toile Internet. D'après ce phénomène qu'on appelle l'effet Mandela, il semble qu'on aurait altéré artificiellement, au travers de la physique quantique, des expérimentations du CERN et peut-être au travers de Black Programme américain, certains aspects de l'histoire, à un point tel qu'une portion sans cesse croissante de personnes pensent que nous vivons actuellement au milieu d'une réalité historique qui aurait été altérée, pour ne pas dire modifiée, par de la très haute technologie acquise dans le plus grand secret. Certains esprits cartésiens diront que ce phénomène ne serait rien d'autre que la résultante d'une défaillance de la mémoire de personnes qui ne se rappellent plus très bien un événement précis du passé. Les paroles d'une chanson, le logo d'une marque, mais aussi notre géographie, qui elle aussi semble changer de configuration sur nos cartes. Mais comment ce phénomène de l'effet Mandela est-il né ? Tout avait débuté en 2010 lors d'une conférence, lorsqu'une auteure, Fiona Broom, ainsi que plusieurs personnes y participant, découvraient avec stupeur que Nelson Mandela n'était pas mort durant son incarcération, mais qu'il était en fait sorti de prison et qu'il avait même été un chef d'État populaire en Afrique du Sud. Pourtant, Fiona et toutes ces personnes étaient absolument persuadées d'avoir non seulement entendu la nouvelle à la télévision ou la radio, mais d'avoir vu les images de son enterrement, ainsi qu'une allocution émouvante de sa femme Winnie, rendant hommage à son célèbre mari. D'autres, depuis, partagent cette mémoire vraisemblablement fausse. Beaucoup de sceptiques semblent penser que ce n'est qu'une simple amnésie collective, de faux souvenirs, puisque sa mort n'aura en fait été annoncée que fin 2013. Au mois de décembre 2013. On peut le penser aussi, si ce n'est déjà que George W. Bush parlait de sa mort en 2007, ainsi que deux enseignantes venant d'Afrique du Sud qui semblaient penser de même, puisqu'elles ont écrit, elles ont écrit sa mort, du moins décrit sa mort en 1991 dans une œuvre non fictionnelle à des fins d'éducation. Il est donc évident que quand on écrit un livre qui se base sur des faits réels, on fait d'abord des recherches afin de ne pas être confronté à des erreurs aussi colossales que celle d'annoncer le décès d'un personnage aussi important historiquement que Nelson Mandela. Surtout dans un temps où la cause pour sa libération avait largement dépassé les frontières de l'Afrique du Sud. Cet événement pourrait sembler anodin ou seulement le reflet d'une mémoire collective défaillante, mais il a en fait ouvert une véritable boîte de Pandore, car finalement au moins des dizaines puis des centaines de milliers de personnes vont commencer à s'apercevoir que leurs souvenirs, les souvenirs de certains événements historiques, ainsi que d'autres aspects de notre histoire actuelle, différaient radicalement de la version dite officielle. Comme par exemple la mort des 7 astronautes américains qui trouvèrent la mort lors de l'explosion de leur navette le 28 janvier 1986. Problème, d'après une enquête journalistique du média allemand Klack Maur TV, au moins 6 des 7 membres de l'équipage de Challenger seraient encore en vie, 4 d'entre eux encore sous le même nom. Et ce documentaire dont vous venez de voir un petit extrait, je vous mettrai le lien en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez le voir intégralement. Ce documentaire serait passé à la télé le 15 7 2016. Et si vous avez plus de 40 ans, vous vous souvenez probablement de ce 28 janvier 1986, c'était le jour d'une grande catastrophe de la NASA devant la côte de Cap Canaveral en Floride. À 11h38 et 73 secondes après son lancement, la navette spatiale Challenger avait été pulvérisée par une énorme explosion au-dessus de l'Atlantique. Tous les 7 membres d'équipage avaient trouvé la mort, c'est-à-dire les 5 astronautes de la NASA et les 2 spécialistes de charge utile. Des millions d'Américains, 17% de la population totale, avaient regardé le lancement en direct à la télévision à cause de la spécialiste de charge utile Christa McLeod, la première institutrice dans l'espace. Le reportage médiatique sur l'explosion était très riche. Une étude montrait que 85% des Américains interrogés en avaient entendu parler dans l'heure qui avait suivi l'accident. Le monde entier était en état de choc. La raison de l'explosion, c'est un mauvais fonctionnement d'un joint torique dans le booster à matière solide, droit de la fusée. La navette n'avait pas de système de siège éjectable et l'impact de la cabine sur la mer a été trop violent pour que les astronautes puissent s'en sortir.
voire survivre. La catastrophe avait été suivie d'une pause de 32 mois dans le programme des navettes spatiales de la NASA, et cela avait conduit à la création d'une commission d'enquête qui avait été nommée par le président Ronald Reagan pour analyser l'accident. Bon, je vous donne la liste des 7 noms, hein. Francis Richard Scobie, qui était le commandant, Michael John Smith, qui était le pilote, hein. Ronald McNair, spécialiste de la mission, Elison Onizuka, spécialiste de la mission, Judith Resnick, spécialiste de la mission, Gregory Jarvis, spécialiste de charge utile, hein. Krista McAuliffe, spécialiste de charge utile. S'il s'avère exact que certains de ces astronautes seraient toujours en vie, comment alors auraient-ils survécu à une telle explosion en vol ? C'est impossible, car même s'ils s'étaient restés dans leur cabine de pilotage, la vitesse à laquelle cette cabine s'est écrasée dans la mer ne leur avait laissé aucune chance. Cette cabine s'était complètement écrasée sur elle-même, hein, en broyant complètement le corps des astronautes. Hein. Dans un tel fracas, je ne vois pas trop comment tous ces astronautes auraient survécu à la tragédie. Je pense que le gouvernement américain aurait une nouvelle fois sollicité l'intervention des scientifiques qui étaient chargés du Black Program de Montauk, hein, où ils y travaillaient depuis les années 50. Hein. Dans cette base de Montauk, les scientifiques auraient réussi à ouvrir de véritables vortex qui étaient connectés à d'autres dimensions de l'espace et du temps. Probablement qu'un voyage dans le temps aurait été organisé dans le but d'empêcher l'explosion de la navette. Hein. En agissant ainsi, ils auraient réussi à créer une réalité alternée la navette qui devait exploser ne décolla pas, sauvant par la suite les astronautes d'une mort tragique. Mais l'autre réalité où les astronautes sont morts continue d'exister, mais sur un plan parallèle. S'il s'avère exact que les astronautes de l'explosion de la navette seraient toujours vivants, cela sous-entendrait que notre monde actuel correspondra en fait à une réalité alternée, résultant d'un voyage dans le temps qui empêcha le décollage de la navette. Pour les sceptiques, nous serions là plongés dans une œuvre de science-fiction. Et il faut préciser que les scientifiques de Montauk jouaient sur notre ligne temporelle. Donc, si ces astronautes sont bien vivants, ça voudrait dire qu'on aurait encore joué avec notre ligne temporelle. Là, vous voyez Dick Scobie et Richard Scobie. En fait, c'est le même astronaute, hein. Là c'est celui-là qui est mort, et celui-là c'est le même qui se réveillit de 30 ans. Vous voyez les caractéristiques, hein, les yeux là, ici les sortes de rides, hein. C'est exactement la même personne mais vieillie de 30 ans. Ça, ce qui sous-entendrait que cette personne aurait survécu au crash de la navette. Ce qui, comme vous le savez, est impossible quand on voit l'explosion de la navette. Et je ne pense pas que les Américains ont envoyé une navette télécommandée. Je crois surtout qu'il y a eu un voyage temporel qui aurait été réalisé pour empêcher l'explosion. Mais le problème, c'est que ces deux réalités s'interconnectent. Parce que nous, on a en mémoire l'explosion de cette navette. Et à côté de cela, vous avez des astronautes qui ont continué de vivre après ce désastre. Oui, c'est troublant, voire inquiétant. Parce que ça sous-entendrait que les Américains, du moins les scientifiques qui travaillaient sur certains black programs, arriveraient à affecter notre ligne temporelle. Ce qui, logiquement, affecterait certains aspects de notre réalité. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein. Pour ceux qui veulent voir les films que j'ai mis, les petits extraits, le titre, c'est The Time Tunnel, pour le premier. Le deuxième, c'est Prisonnier du Temps. Hein. Et pour The Time Tunnel, n'oubliez pas que la musique qui sert à accompagner le groupe vers le tunnel aurait bien changé. Ce qui sous-entendrait qu'il y aurait eu une modification de quelque chose qui a modifié cette musique. Puisqu'à l'origine, si vous retrouvez, je sais pas, si vous retrouvez l'extrait de cette vidéo dans ma chaîne, je pense que vous allez retomber sur cet extrait, puisqu'il y a eu une affectation, la réalité a été réaffectée. À l'origine, c'était la musique de New York 911. Mais là, si vous écoutez attentivement, c'est pas tout à fait la même musique qu'on entend dans cet extrait. Puis ça vous explique pourquoi aussi ces astronautes qui soi-disant étaient morts dans le crash seraient toujours vivants.
C'est que dans notre réalité, ils sont bien morts, hein, ces astronautes. Hein. Sauf que voilà, on a créé une nouvelle réalité où ils ont survécu au crash. Hein, puisque dans cette autre réalité, la navette qui devait exploser n'aurait pas décollé. Voire, on aurait corrigé le joint d'étanchéité du booster hein, pour qu'elle n'explose pas. Ce qui sous-entendrait que la navette aurait décollé et serait revenue sur Terre hein, avec des astronautes bien vivants. Mais là, il faut bien comprendre que nous sommes en présence de deux réalités. Hein. Nous, sur Terre, on est confrontés aux deux actuellement. Vous avez celle où les astronautes sont morts et celle où ils sont encore vivants. C'est incroyable, hein, parce que ces deux réalités s'interpénètrent. Hein. Aujourd'hui, sur Terre, actuellement, c'est deux réalités hein, qui sont sur Terre. La vraie, c'est celle où ils sont morts. Hein. Celle où on nous explique qu'ils auraient survécu, c'est une réalité alternée hein, qui a été créée par une modification grâce à un voyage temporel. Hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine.